Who said? Them and police brutality, racist policy. How many dead in a custody? Hey yo! Qu'a-t-elle pas de maquillage? J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va super bien, mais si je suis un tout petit peu malade, je vous fais un petit commentary en différationnage. Donc, pas en live, quoi. Sur la map Strike Zone, donc c'est en MME, comme vous pouvez lire, parce que vous n'êtes pas des débiles. Quoique, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous avez un petit truc en moins dans la tête. Donc, ça va être une game assez, comment dire, folichonne, même si je joue en assaut. Ça va quand même être du 40 kills en MME au couteau, donc c'est pas n'importe qui peut faire ça, surtout qu'il y a une petite kill cam à la fin assez swag, on va pas dire super swag, mais plutôt swag, j'aime bien. Et ça me permet d'introduire mon sujet, et non pas mon pénis, hein, espèce de cochon, qui sera donc le bankshot. Pourquoi le bankshot a été oublié par les knifers au fil des années? Alors, tout simplement, je vais commencer par le plus récent, qui est AW, hein, merci fils de pute, on applaudit. Bravo, hein, t'es bien enculé. Donc, tout de suite, je vous arrête, parce que dans le gameplay, à un moment, je vais rater une 5OS. Tout simplement, première game de la journée, shoot pas en place, cerveau pas en place, là, c'est exactement maintenant. Voilà, on voit très bien que mon shoot n'est pas là, et que j'ai voulu faire le kéké, et que je me suis chié. Voilà, bravo cartel. Donc, oui, AW nous a ôté le bankshot. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un fils de pute. Il préfère nous mettre des grappins plutôt que des spike drones qui peuvent rebondir contre des surfaces. Voilà, ils nous mettent des bombes collantes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est pour ça que je n'y joue plus, d'une part, et que la feed est beaucoup trop facile. Voilà. C'est fini pour AW. Autre raison, tout simplement, les knifers qui auraient aimé être des snipers, que j'appelle les XGMX ou les SP. Donc je sais que certains SP ou surtout Diablo qui est français va sûrement pas être d'accord avec moi, mais soyons francs, est-ce qu'il y a des bankshotters dans la XGMX? Est-ce qu'il y a des bankshotters dans la SP? Je ne crois pas, tout simplement pourquoi? Parce que à la base la XGMX a été créée pour regrouper des knifers qui n'étaient pas assez bons au sniper et qui du coup bah voilà ils sont devenus knifer et ils ont fait leur team et ils se sont dit on va être les face du knife et voilà et donc du coup ils font comme les snipers qui trickshot, qui feed alors que nous on a quand même ce troisième atout qui est le bankshot. Eh oui. Pour toi petit noob qui ne sait pas ce qu'est un bankshot, c'est tout simplement le fait de faire rebondir son couteau de lancer contre une surface, pas forcément un mur, parce que il y a différentes surfaces, n'est-ce pas? Et donc, ça peut rendre plus ou moins stylé selon la distance, selon le comment dire, comment on peut expliquer le vol du couteau. Par exemple, s'il est plus ou moins aérien, c'est plus ou moins stylé aussi. S'il est plus travaillé, plus on the fly, voilà. Ça, après, c'est un autre débat. Ceux qui pensent que le on the fly est mieux que les bankshots travaillés en privé, etc. Moi, je suis partisan du bankshot 100% créatif, 100% sur le moment, quoi. C'est pas en travaillant ton bankshot en partie privée que voilà, ça va être forcément mieux. Ok, c'est sûr que moi, j'ai des spots que j'ai travaillé en partie privée, mais je passe pas ma journée à les tenter, quoi. C'est genre, si ça rentre, ça rentre. Si j'ai l'occasion de le mettre, je le tente. Voilà. Pour moi, c'est ça la manière d'aborder le bankshot. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais là-bas? Je me suis perdu. Ah oui, donc les snipers peuvent feeder, peuvent trickshotter. Les snipers peuvent. J'arrive vraiment pas à parler. Donc, les snipers peuvent feeder et trickshotter. Les knifers peuvent feeder et trickshotter et bankshotter. Et malheureusement, on s'est tiré une balle dans le pied, si je puis dire, en s'enlevant le bankshot volontairement. Des grandes teams comme la XGMX, voilà, la SP, et j'en passe, et des meilleurs. Après, t'as des teams comme INK, Blizzard, TMWK, BSB, enfin voilà, et même des petites teams qui restent quand même dans le bankshot et qui continuent à mettre des bankshots dans leur team tag et autres.
parce que bah, tout simplement c'est de la créativité, c'est quelque chose que les snipers peuvent pas faire, c'est ce qui fait que le knifing est original et que je pense que c'est un atout qu'on a déjà de pouvoir faire quelque chose de différent et que je comprends pas déjà qu'on nous que enfin des knifers s'enlèvent cette originalité et tout simplement veuillent ressembler au sniper et faire comme tout le monde. Et oui, voilà. C'est tout simplement mon point de vue là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à en parler en commentaire. J'essaierai de répondre un maximum. Voilà. Donc il me reste juste un tout petit peu de temps pour vous parler vitef de la semaine 3K. C'est plutôt bien passé. J'ai été assez content des retours, notamment sur la FAQ. Je pensais pas qu'il y aurait autant de commentaires, etc. Il y en avait taquet, ça fait super plaisir. Franchement, vous me faites kiffer. Je pensais vraiment pas que ce serait autant vu, quoi. 40 minutes de FAQ, faut les tenir. Bah voilà, voici la petite killcam on the fly. Moi, je la trouve plutôt sick du cul. Hein, voilà, le mec qui campousait là. Voilà. Donc bref, je finis donc sur 40 kills et 13 morts et une petite assiste avec YOLO. Bon, c'était Cater on the mic, peace, I'm fucking out. Cash money, on the nozzle on me gun, me got a tune. Not talk nor ox a oom. Cause gunshot a go clap and caught some goon. Said them rising to the top and fall so soon. Perform their half a tune. Cause stay true, no carry no auto tune. On the nozzle.